Alors aujourd'hui, je vous présente une presse 990, une presse qui est aujourd'hui inégalée en termes de rendement sur le marché. C'est la presse la plus rapide. Donc avec des bottes qui font 1,85 m de diamètre et 1,21 m de large. Le pick-up fait 2,20 m de large, 5 barres porte-dents, tout est monté sur roulement. Tablier rotatif ici pour améliorer le flux de récolte, et donc à l'intérieur le fameux ameneur rotatif qui fait toute la largeur de la presse et sur lequel les vis de recentrage sont soudées, ce qui fait qu'il n'y a plus de petites vis sur le pick-up, plus de risque de bourrage entre le pick-up et l'ameneur. La presse, elle est pilotée directement du tracteur par l'intermédiaire d'une console 1800. Donc c'est une console Isobus qui peut également servir à faire du guidage si vous êtes équipé d'une antenne. Voilà, tout est commandé depuis le boîtier. Le diamètre, la pression, le nombre de tours de filet, tous les réglages de la presse sont réglés à partir de là. Le filet, il se met ici, donc à l'avant. Très facile, les pieds au sol, on n'a pas besoin de monter sur une passerelle. On met le filet, on glisse le filet dessous et c'est parti, on a tout à les presser. Donc cette presse est équipée de roues 555/20. Elle est également équipée d'un éjecteur de balles. On a ici un accès rapide avec des capots, des grands capots monobloc aux différentes chaînes pour faire la division, pour faire le suivi, l'entretien. Ce côté-ci, donc on a l'entraînement qui arrive pour aller entraîner les rouleaux. Et ici, on a une petite pompe avec une réserve d'huile qui permet, par l'intermédiaire des petits tuyaux, d'aller graisser toutes les chaînes de la presse. Ce côté-ci, on a une chaîne qui arrive du boîtier central ici pour venir entraîner le rotor. Tous les graisseurs, les rouleaux peuvent se graisser par l'intermédiaire de banques de graissage, c'est-à-dire que tous les graisseurs sont regroupés ici et par des tuyaux, on va au niveau des roulements. De chaque côté, on a la possibilité de stocker un rouleau de filet, donc pour... Donc un en fonctionnement et un de chaque côté, donc trois rouleaux, il y a de quoi faire plusieurs journées.